18h15, bonsoir, bienvenue si vous nous joignez dans Tir croisé. On revient sur ce dîner du CRIF qui se déroule ce soir sous tension. Oui, le Conseil français du culte musulman, par la voix de Dalil Boubaker, indique ce soir qu'il ne se rendra pas à ce dîner. Il évoque les déclarations irresponsables du président du CRIF, Roger Kukierman, sur les jeunes musulmans. Il a considéré que toutes les violences aujourd'hui qui sont commises, eh bien, elles sont commises par de jeunes musulmans, justement. Roger Kukierman, qui vient d'arriver dans le 14e arrondissement de Paris, là où se déroule ce soir le dîner du CRIF, et vous allez voir qu'il nuance un peu ses propos. Je crois qu'elle est injustifiée parce que dans l'interview, je n'ai dit que des choses exactes, c'est-à-dire que l'immense majorité des actes antisémites sont commis par des jeunes musulmans, mais j'ai précisé que c'était une infime minorité de la communauté musulmane. J'ai même indiqué que je la chiffrais à 1 pour 1000 de la communauté musulmane. Donc je regrette cette décision qui me paraît non fondée. D'accord. Et puis je crois qu'elle nuit aux liens d'amitié qu'on avait et j'espère qu'on va pouvoir les rétablir rapidement. Chacun est libre de venir ou de ne pas venir, on ne peut pas obliger les gens à venir, mais ça reste un dîner républicain, bien sûr.